Le Conseil fédéral s'engage pour que cet accord soit accepté, parce que c'est un accord qui est essentiel. Je l'ai dit, c'est le premier accord qui va être soumis à la population. On ne sacrifie pas certains principes sur l'autel du libre-échange. Il faut bien voir que dans un accord international, on doit préserver les intérêts des deux parties. La production d'huile de palme est un des produits extrêmement importants pour l'Indonésie. Maintenant, la manière dont cela est produit est ce qui est le plus important, de manière à ménager les différents droits, que ce soit des travailleurs, et puis surtout la protection de l'environnement et la durabilité. C'est vraiment la première fois que nous allons aussi loin et qu'un pays accepte de telles exigences dans un accord de libre-échange.